Good morning, allez Yiden, Purim Samehar, pour tous les habitants d'Yerushalayim, Tzfat et les villes fortifiées. Si vous l'étude sur aujourd'hui, le Nishmat, Morir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther et Risha bat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, complétez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Horayot, Perek Aleph, Mishnah Hey, Horu bet din veasuko la kahal uruban al pihen, mevin par. ובעבדוזרה מביאים פר וסעיר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר 12 שבטים מביאים 12 פרים, ובעבדוזרה מביאים 12 פרים ו12 סעירים. רבי שמעון אומר 13 פרים ובעבדוזרה 13 פרים ו13 סעירים, פר וסעיר לכל שבט ושבט, פר וסעיר לבית דין. Je vais m'arrêter là pour le moment, parce que sinon ça va faire trop lourd de lire tout ça, c'est un gros pavé. Alors qu'en réalité, il y a dans cette Mishnah trois discussions, c'est très bien structuré, Bezrat Hashem. La Mishnah est bien structurée, mon cours aussi, bien sûr. Mais donc on va commencer doucement, doucement. Pour le moment, c'est des données simples. Il faut savoir, par Helem Dabar chez Tzibur, ce qu'on appelle la faute nationale, elle se trouve en réalité dans deux endroits dans la Torah. Il y a une fois dans le livre de Vaikra, Perek Dalet, qu'on a déjà ouvert plusieurs fois, où la Torah nous dit Vechol, Veim kol adat Israël Ishgou, Veasou, Achad, Mikol Chatot, je ne sais plus comment c'est dit, bon bref, d'accord, Kol Israël Ishgou. Et il y a une deuxième fois dans Parashat Shlach Lecha, et là-bas, la Torah nous dit d'apporter pas simplement un par, mais aussi un par Vesaïr. C'est-à-dire, dans Vaikra, la Torah me dit si toutefois tout le peuple d'Israël il a fait une Avera, Shechavim, Alasdono, Karet, alors on apportera un par, uniquement un taureau, et tandis que dans Parashat Shlach Lecha, la Torah me dit qu'il a transgressé toute la Torah, et il faudra apporter un par Vesaïr, ajouter en plus de ça un bélier. Chachamim explique que ces deux parashiot viennent parler de deux types de transgressions. Dans Vaikra, où il faut apporter juste un par, c'est une transgression de d'abord chez Zdono Karet, toute la verre de la Torah, il y a un Zadon Karet, c'est-à-dire le Bedin s'est trompé dans une halakha de Chélev, comme on a déjà rapporté dans une grâce interdite. Dans un Issour Shabbat, ils ont dit que c'était permis de faire telle chose, alors qu'en réalité, il y a dans cela un Issour Karet. Dans Parashat, Shlach Lecha, on parle là-bas de Avodah Zara spécifiquement. Chachamim, ils ont dit qu'on avait le droit de. Achashverosh, il a dit qu'il fallait se prosterner devant Aman. Le Bedin, il a dit, bon, on a le droit de se prosterner cette fois-ci, parce que la Vodazara qu'il avait à Aman, c'était pas une vraie Vodazara, peu importe. Et le Bedin s'est trompé. Il y avait en cela une vraie Avodazara. Donc, tout le Ham Israël l'a fauté à cause du Bedin. Ouais, ça s'est pas passé, mais en tout cas, imaginez que ça s'est passé. Eh ben, dans ce cas-là, il faudra apporter un par Vesaïr. Deux corbanotes. D'accord? Et deux corbanotes, un par Vesaïr. Ça, c'est la première donnée qu'il faut savoir. Deuxième donnée, maintenant, ça va être le sujet de notre Mishnah, en plus de préciser davantage, quelque chose qu'on traîne depuis le début du Pérec en réalité, c'est de savoir combien du Ham Israël doit fauter. Est-ce qu'il suffit... On parle de faute nationale. Donc si c'est faute nationale, on a un problème. Dans Ham Israël, il y a 12 tribus, et donc on a deux manières de voir c'est quoi la majorité du peuple d'Israël qui va fauter. Est-ce que ça doit être la majorité des tribus ou la majorité des individus, même si ce n'est pas la majorité des tribus, qui sont inverses, on a la tribu de Yehuda, qui fait l'équivalent de plus que les 11 autres tribus. Et tout Yehuda a faute. Est-ce que ça s'appelle que c'est tout l'Am Israël qui a fauté? Est-ce que c'est juste Yehuda? Et comme ça, on va entrer dans les détails. La Mishnah, elle va être bien structurée, elle va avancer doucement, doucement. On va d'abord commencer à parler du cas où tout le peuple d'Israël a fauté, toutes les tribus mélangées, il n'y a pas de plus un qui fait plus que l'autre ou pas. Premièrement, savoir combien de korbanot apporter. Est-ce qu'il suffit d'apporter un seul korban pour tout le Ham Israël, ou ce qu'en réalité chaque tribu devra indépendamment apporter un korban, ou peut-être même chaque tribu un korban, et en plus de ça le Bet Din un korban, parce que le Bet Din lui quand il se trompe, eh ben il y a ici une double faute, il y a la faute du Ham Israël et la faute du Bet Din. Et dans ce cas-là, un cas sous-entendu, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu toute une tribu qui a fauté mais pas tout le peuple d'Israël? On va entrer plus dans les détails, ce sera la deuxième partie de la Mishnah. On commence d'abord par traduire tous, si vous avez compris les trois propositions que je vous ai faites, c'est exactement les trois avis qu'il va y avoir tout de suite. Multiplié par deux pour la Avodah Zarah, parce qu'il faudra apporter un par et un saïr pour chaque tribu et tribu. Donc, Horu Bet Din. Le Bet Din a instruit que c'était permis de faire telle chose, de telle transgression, je vais te porter Birchud Arabim. Ve'asu kol akahal,
Et tout le peuple d'Israël a fauté. Oh, Rouban, ou bien la majorité du peuple d'Israël, qui correspond à la majorité des tribus, sans rentrer dans les détails pour le moment, Alpihem, en se fondant sur l'instruction du Bedin. Donc tout le monde a fauté. Le Bedin avait dit qu'on avait le droit de manger telle graisse. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, on réalise l'erreur quelques jours après, une fois que tout le peuple d'Israël a fauté. Mais vi'in par, il faudra porter un par, un taureau, un par elem d'abar shem tzibur. Faute nationale parfaite. Ou bah avodazara, si c'était une transgression de avodazara, alors mevi'in par vesaïr, il faudra porter un par, un taureau et un saïr, un bélier. Parce que c'est la paracha de Shlach Lecha dans le livre de Bamidbar, où la Torah là-bas nous dit, par contre, quand on fait de l'avodazara, alors il faudra porter par vesaïr. On continue. Divrei Rabbi Meir. Telle est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Shnemasar Shvatim Mevim Shnemasar Parim, ou Ba'avodazara Mevim Shnemasar Parim ou Shnemasar Seirim. 12 tribus devront apporter 12 taureaux, si c'était pour toutes les Averot de Vaikra, ou Ba'avodazara, si c'était une transgression de Avodazara, alors Mevim Shnemasar Parim ou Shnemasar Seirim. Il faudra apporter 12 taureaux, ainsi que 12 béliers. Chaque tribu devra apporter son par Vesaïr indépendamment, parce que, selon Rabbi Yehuda, qui a marqué Veim Kol Adat Israël, selon Rabbi Yehuda, chaque tribu elle est appelée Ada, Eda. De ce fait, on peut déjà déduire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe s'il y a eu 7 tribus qui ont fauté, par exemple, alors, et qui représentent pour le moment la majorité du peuple d'Israël. Alors, selon Rabbi Meir, il faudra apporter donc un seul corban, puisqu'on a cette fois-ci la parfaite majorité. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir. Et selon Rabbi Yehuda, alors là, puisqu'on a la majorité du peuple d'Israël, il faudra que chaque tribu devra apporter son corban, avec un petit problème, comme on verra ensuite. D'accord ? Rabbi Shimon Omer, Shlosha Asar Parim, Uba Vodazara, Shlosha Asar Parim, ou Shlosha Asar Seirim. Alors Rabbi Shimon il nous dit non, il faudra porter 13 parim, 13 taureaux, ou si c'est une faute de Avodah Zarah, 13 taureaux et 13 béliers. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas veseir le kol shevet veshevet. Je suis d'accord avec Rabbi Yehuda que chaque tribu, indépendamment, devra porter son par ou son par veseir. Parce que chaque tribu, elle s'appelle un kahal bifne atzmo. Donc, kol adat Israël, toute la adat Israël, khatat kahal, il y a marqué que c'était la faute du kahal. Alors, un kahal, l'assemblée, il y a 12 assemblées dans l'âme Israël, donc il faudra apporter 12. Avec en plus de ça, un supplémentaire. Pourquoi ? Le Bet Din aussi doit apporter son expiation. Parce que lui-même, il a fauté en donnant cette instruction. Ouais, c'est la vie de Rabbi Shimon, c'est très spécial. C'est-à-dire, si on résume pour le moment. D'abord, on conclut, d'abord, on finit de lire. Par Vesaïr et Kol Shevet Veshevet, donc un par un taureau et un saïr, un bélier, pour chaque tribu. Et par Vesaïr, le Bet Din, et aussi un par et un saïr pour le Bet Din pour apporter son expiation. Donc pour le moment, c'est très simple. On a Rabbi Meir qui nous dit une seule grande assemblée, c'est le Ham Israël. Donc un seul par Vesaïr et. Le Sanhedrin se fait expier en même temps avec le Ham Israël, c'est une seule faute mutuelle entre eux. D'accord ? Rabbi Yehuda va nous dire non, il y a ici 12 tribus, 12 assemblées. Mais le Bet Din, il se fait expier par le même Corban que le Ham Israël. Rabbi Shimon, lui, il a un point de vue très particulier, très original, qui nous dit non, chaque tribu, elle doit apporter son Corban, mais le Bet Din aussi doit apporter son Corban. D'accord ? Déjà, je vais vous introduire maintenant la suite de la Mishnah. Va être de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe si c'est plus tout le Israël qui faute. Ça va être que cette tribu, par exemple. Je vous dis tout de suite, Rabbi Shimon, il va nous dire quoi ? Il va nous dire, ben, chaque tribu qui a fauté, elle devra apporter son korban, et le Sanhedrin qui a donné l'instruction devra apporter un korban. Par exemple, imaginez qu'on va se retrouver avec 7 tribus qui ont fauté. Alors, ben, chacun devra apporter 7 fois son par. Et le Sanhedrin devra apporter, lui, un huitième, parce que lui-même, il a fauté, puisqu'à cause de lui, le Ham Israël, il a fauté. D'accord ? Et il y aura ensuite, bien sûr, plein de petits cas particuliers. Ça va entrer dans beaucoup de détails, dans la Bécave et Guerre, on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, pour le moment, c'est mon but, moi, c'est plutôt de retenir la règle générale, et pour les plus aiguisés qui réussissent à tout suivre, à voir jusqu'où ça peut aller. D'accord ? Pour le moment, donc, on passe maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah. Ho, Bet Din, Ve'asu,
Shiva Shvatim, Oruban Alpihem. Mevin par, Obavodazara, Mevin par, Messer de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Shiva Shvatim Shechatu, Mevin Shiva Parim, Ushar Shvatim Shelochatu, Mevin Aledem par, il y en a qui disent ce qui veut dire Mevin Aledem par. Chacun un par. Shaf Elu Shelochatu, Mevin Aledem Achotim. Rabbi Shimon Omer, Shmon Aparim, Obavodazara, Shmon Aparim ou Shmon Aseirim, par Veser El Kol Shevet Veshevet, par Veser El Beddin. Et on s'arrête là pour le moment, ça c'est la deuxième partie de la Mishnah, où maintenant on passe à Gap. Ho Beddin, le Beddin a donné la solution. Ve'asu Shiva Shvatim, et sept tribus ont fauté. Ou encore, Oruban Alpien, ou la majorité selon leur instruction. Plus précisément, on parle que, donc il y a eu sept tribus qui ont fauté, donc c'est plus tout le Am Israël, c'est uniquement sept tribus, ou même la majorité des sept tribus. D'accord ? Il suffit. C'est-à-dire, on a une règle que Rubo Kekulo, la majorité, c'est considéré comme le tout, mais pas exactement. Et donc, il s'avère que si on a sept générations, ça devient une faute nationale. Toutes les tribus ont fauté. Et même, c'est même pas la peine d'atteindre que toute la tribu ait fauté, puisque la majorité de chaque tribu, ça fait déjà qu'on a la tribu entièrement qui a fauté. C'est un peu le même principe, je crois, les élections en Amérique, c'est un peu comme ça, quoi. Il y a les 50 États, ils votent, et puis après, la majorité des États, ils décident, je crois que ça se passe un peu comme ça. C'est le même principe, en tout cas. C'est comme ça que ça se passe. La majorité de chaque tribu, et il y a la majorité des tribus, donc ça devient une vraie faute nationale, selon Rabbi Meir. Et donc, dans ce cas-là, donc, Horu Beddin, Vassou, Shiva, Shvatim, sept tribus, ou même la majorité alpienne. Et il y a un cas, sous-entendu, c'est que la majorité d'Israël qui ne représente pas les... la majorité des tribus. C'est-à-dire, imaginez qu'on avait la tribu de Yehuda et Réhouven. Ensemble, ils réussissent à dépasser les 300, ils font déjà 310 000, la majorité des 600 000 du Ham Israël, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'on a aussi la majorité du Ham Israël aussi qui a fauté. Et ça devient aussi une vraie faute nationale, même si on n'a pas eu la majorité des tribus. D'accord ? Ça inclut aussi dans le Ruban Alpien, c'est écrit dans le Bartenor. Donc, Mevin par, il faudra porter un par un taureau. Et si c'était Avodazara, si c'était une faute d'Avodazara, Mevin par Messahar, il faudra porter un pour un taureau et un bélier. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Ok. Rabbi Yehuda Omer. J'aurais préféré faire Rabbi Shimon d'abord, parce que c'est plus simple. Je saute, on lit tout de suite Rabbi Shimon, vous allez comprendre pourquoi je préférais le faire. Je préfère le faire en escalier, en fait, d'avancer du plus simple au plus compliqué à comprendre. Donc je saute Rabbi Yehuda et je vois tout de suite qu'est-ce qu'il dit. Rabbi Shimon Omer, Shmona Parim. Rabbi Shimon nous dit, maintenant il faudra apporter 8 Parim. Si on a 7 tribus, il faudra apporter 8 Parim. Ou Bavodazara, Shmona Parim ou Shmona Seirim. Dans Bavodazara, il faudra apporter 8 taureaux et 8 béliers. Pourquoi ? Parce que par Vesser, l'école Shevet Veshevet, certes, selon la règle, chaque tribu a fauté. Donc un par et un Seir pour chaque tribu. Et aussi, au Paroveseir, le Beddin. Et puisqu'on a eu une faute nationale, même si ce n'est pas tout le Ham Israël qui a fauté, alors chaque tribu devra apporter indépendamment, mais il y a malgré tout le Beddin lui-même, il doit endosser la responsabilité et se faire expier lui aussi indépendamment, selon la règle de Rabbi Shimon qu'on avait vu dans la première partie de la Mishnah, que le Beddin doit aussi apporter un korban, donc ça fait aussi un par et un saïr pour le Beddin. Maintenant, je reviens sur Rabbi Yehuda. Alors là, Rabbi Yehuda, il va nous dire, retenez bien le cas pour le moment, on parle qu'on a eu 7 tribus qui ont fauté. Alors je vous dis tout de suite, Rabbi Yehuda va nous dire mais il faudra apporter 12 korbanotes. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est très simple, regardez. C'est très simple, c'est incompréhensible. Non, c'est déduit de psukim. Donc Rabbi Yehuda, nous dit, Shiva Shvatim Shechat ou si 7 tribus ont fauté, Mevi'im Shiva Aparim. Il faudra apporter 7 taureaux, ou Shar Shvatim Shelochatu. Et les autres tribus qui n'ont pas fauté, mais qui a quand même eu la majorité des tribus qui ont fauté, eh bien, Mevi'in Aliedehen par. Ou par, selon le Melech Shlomo, il faudra que chaque tribu apporte eux aussi, chacun son taureau et son taureau. C'est pour ça qu'il veut dire par, pour dire chacun. Parce qu'on aurait pu croire qu'ils auraient fait chaque tribu 7 et 1 pour les autres tribus. Non, il faut dire par, que chacune des 12 tribus devra apporter, selon le principe, c'est le même principe que Kol Yisrael Arevin Zevazé, dès que la faute elle est devenue nationale, chacun doit apporter. Chacun a une part dans cette faute-là, dans la faute nationale qui a été réalisée, même si ceux qui ne sont pas concrètement passés à l'acte devront eux aussi se faire expier. C'est déduit de Psukim, c'est pas rapporté. C'est étonnant que les Mefarshim n'ont pas tellement. Ni le Bartanora, ni le Conseil Tom Tom n'ont tellement expliqué ça. J'ai peiné pour le comprendre. C'est grâce au Tiferet Israël que lui-même s'étonne, qu'en fait, pourquoi ils n'ont pas expliqué cette partie de la Mishnah. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, qu'il faudra, chaque tribu devra apporter eux aussi. Une expiation, parce que même s'ils ne sont concrètement pas
passer à l'acte. D'accord ? C'est clair ? Donc en fait, si je récapitule, maintenant, on a parlé du cas plus simple. On a eu 7 tribus qui ont fauté. 7 tribus qui ont fauté. La faute devient nationale. Selon Rabbi Meir, eh ben, faute nationale, aucun problème. On a un seul corban qui expie tout le Ham Israël. Selon Rabbi Yehuda, non. Tout le Ham Israël doit se faire expier, mais chaque tribu indépendamment. Donc ça va nous faire 12 corbanotes. Et Rabbi Shimon, il va nous dire, doucement. Chaque tribu, son corban, donc ça fait 7, et un sur le Beth Din qui a lui-même, qui a induit en erreur le peuple, devra lui aussi se faire expier, ça fera 7. Si ça vous intéresse maintenant, Rabbi Akiva Eger, il précise ici que selon Rabbi Shimon, qui va porter 8, c'est uniquement lorsque les 7 tribus représentent la majorité du Ham Israël. Il faut deux conditions, ce qu'on appelle Tartel et Tibouta, qui est la majorité des tribus et la majorité du Ham Israël. Si toutefois il y a la majorité des tribus, mais pas la majorité du Ham Israël, la majorité du Ham Israël, mais pas la majorité des tribus, d'accord ? Ouais, on va avoir 7 tribus, mais qui ne représentent pas la majorité en nombre de citoyens, ou encore la majorité des citoyens, mais qui ne représentent pas la majorité des tribus. Dans ce cas-là, il faudra apporter juste deux parts, un pour général pour tout le Ham Israël, et un particulier pour le Beth Din qui est induit en erreur. Ça, je referme la parenthèse, pour ceux qui ont compris, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, vous avez quand même compris l'essentiel de la Mishnah, et c'est l'essentiel pour le moment. Ok ? Maintenant, troisième cas de figure, maintenant, ça devient beaucoup plus simple. « Ho Beth Din shalechad min ha-shvatim ve'asa oto ha-shevet al-pihem »« Ho oto ha-shevet hu chayav »« Ushar kol ha-shvatim pturim »« Divrei Rabbi Yehuda »« Vachachamim omrim »« Ein chayavin al horayat bet » דין הגדול, אין חייבין, אלא על הוריית בית דין הגדול בלבד, שנאמר, ואם כל עדת ישראל ישגו, ולא עדת אותו השבט. Alors maintenant, un cas particulier. Il faut savoir, dans la hiérarchie des Sanhedrin, il y avait bien sûr le Sanhedrin Gdolat dans la Lishkat Hagazit, 71 juges. Il y avait là-bas Yerushalayim encore deux autres bet din qui étaient instaurés, qui étaient aussi installés pour tout le peuple d'Israël. À part ça, il y avait, pour chaque tribu et tribu, il y avait là-bas un Sanhedrin personnel, individuel pour chaque tribu. D'accord ? Le but de la Mishnah maintenant va être de parler. Qui doit induire en erreur le peuple ? Chachamim de la fin de la Mishnah va nous dire, ben, ça doit être que le grand Beth Din de Yerushalayim, le Sanhedrin de là. Tandis que Rabbi Yehuda va nous dire non, même si le Sanhedrin, le Sanhedrin Ktana, le petit Sanhedrin de 23, de la tribu lui-même se trompe, et induit en erreur sa tribu, devra lui aussi apporter un corban, même si ce n'est pas le grand Beth Din de Yerushalayim. Ok ? Regardez ça dans les mots. Horo Beth Din Shalechad Min HaShevatim. Un des Beth Dinim a induit, donc d'une tribu, a induit en erreur vers sa propre tribu. Ouais ? Le Beth Din de Yehuda a induit en erreur la tribu de Yehuda. Et à ça, Oto HaShevet al-Piyem. Donc cette tribu-là s'est trompée et est passée à l'acte à cause d'eux. Oto HaShevet ou Chayav, cette même tribu devra apporter lui son korban, le Sharkol HaShevetim Pturim, tandis que les autres tribus seront dispensées d'apporter leur propre korban, d'après Rabbi Yehuda. C'est important de le préciser d'après Rabbi Yehuda, puisqu'en général, d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on doit apporter, toutes les autres tribus sont aussi négarés, pour ce qu'on en prenait précédemment. Là, Rabbi Yehuda, il nous fait une petite remise en nous disant non, la tribu qui a transgressé à cause de son Beth Din, alors eux devront apporter leur corban. Tandis que le reste des tribus ne devront rien apporter. Voilà. Il y a de quoi rallonger Barthénora et tout, c'est top, mais ça va faire un cours trop lourd, je préfère laisser les Antachem. On aura peut-être l'occasion un jour d'étudier aussi le Dafayomi en Gomara, il expliquait même ça, mais en tout cas pour le moment on continue. Tel est la vie de Rabbi Yehuda. Bah, Chachamim enseigne, non. En Chayavin, Ela al Horayat, Bet Dinagadol Bilvad, l'on est passible d'apporter un korban, d'apporter une expiation nationale, que si l'instruction est sortie du Sanhedrin Gdola, le Bet Din Agadol Bilvad, le grand Bet Din qui se trouve à Yerushalayim, des Sanhedrin Gdola. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Vim kol adat Yisrael ishgu. Cette fois-ci, on n'est plus en train de juger chaque kahal, khatata kahal hi, mais on est en train de dire que d'où est sortie l'erreur du kol adat Yisrael ishgu. Tout la hada, toute l'assemblée d'Israël se trompera, donc induit en erreur, velo adat oto hashevet, et pas l'assemblée de cette
de cette tribu personnelle. Saül HaPasouk insiste que l'erreur, elle est sortie du Sanhédrin de tout le peuple d'Israël. Même si concrètement, en passant à l'acte, c'était une seule tribu. Ça, on peut l'admettre. Mais de dire que même si c'est un Sanhédrin qui ne concerne pas tout le peuple d'Israël, de dire qu'on devrait apporter un corban, non, on sera dispensé d'apporter un corban national. Et donc dans ce cas-là, ce sera chaque individuel qui a transgressé qui devra bien sûr apporter son corban Khatat Yachid. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Selah.